Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bijou avec un effet gruyère, on va dire ça comme ça. Pour ça, il n'y a vraiment rien de compliqué, on va venir prendre les couleurs de notre choix autant qu'on veut, il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on veut. Et on va faire un effet de motif, donc ça, vous prenez le motif de votre choix. Moi j'ai décidé de faire un Hidden Magic. Alors pour ça, je repasse vite fait sur le sujet parce que j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc si jamais vous voulez en savoir plus, et ben, je vous invite à regarder ma vidéo. J'essaie de la mettre en barre d'infos. Donc ensuite, pour faire mon effet gruyère, j'ai décidé de prendre de la pâte blanche, de la pâte unie, comme ça je suis sûre que ça va bien ressortir. Mais on aurait pu très bien faire l'inverse, ça aurait pu être aussi très drôle. C'est une petite idée que je vous lance, si jamais ça vous dit. Donc je viens étaler ma pâte blanche, moi j'ai décidé de la faire assez finement. Et avec plusieurs emporte-pièces de diamètres différents, donc moi j'ai pris des ronds, mais ça aurait pu très bien être des petits carrés, hein. Mais ça aurait pas fait du gruyère. Enfin bref, on s'en fiche. Et bien je viens faire des petits trous un petit peu partout sur ma pâte. Donc là au niveau de l'effet gruyère, on en fait beaucoup ou pas, presque pas, c'est comme on veut, suivant le rendu que l'on veut. Je vais garder mes petites pastilles de côté parce que je voudrais faire quelque chose d'autre avec. Et on vient appliquer cette pâte sur notre, pour ma part, sur mon Hidden Magic. Donc je viens lisser tout ça et je viens découper le bijou de mon choix. Donc maintenant on va s'occuper des petites pastilles que j'ai mis de côté. Donc j'ai au préalablement préparé une autre plaque de pâte, cette fois-ci avec un Mokumegane, où je vous ai pas montré parce que voilà, le Mokumegane de maintenant tout le monde connaît. Et je vais appliquer mes petites pastilles aléatoirement sur cette plaque. Je viens passer un coup de rouleau pour tout souder, pour que tout soit au même niveau, tout bien lisse. Je découpe le bijou de mon choix et je rajoute un liseré blanc tout autour pour que ça ressorte un petit peu plus. Et il n'y a plus qu'à passer ces deux futurs bijoux en cuisson. Après un coup de ponçage et un coup de vernis, et bien voilà ce que ça donne. Des bijoux vraiment très très faciles à réaliser et déclinables à l'infini, il n'y a vraiment pas de limite. Donc c'est ça qui est génial. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi parce que ça me ferait vraiment énormément plaisir. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !